Bonjour, c'est Fabien, j'ai les deux roules sur la forme. Dans cette vidéo, je vous présente le matériel de chez TriggerPoint. C'est parti! Dans cette vidéo, je vous présente donc le matériel de chez TriggerPoint. De un, parce que j'étais en formation chez eux il n'y a pas très longtemps, et ensuite parce que c'est vraiment du très bon matériel. C'est du très bon matériel que j'utilise à la fois personnellement, dans mes coachings et bien sûr dans mes programmes. Alors j'ai un peu de matériel ici à vous présenter. D'abord on a le grid qui est vraiment un très très bon rouleau. La spécificité c'est qu'on a une surface en trois dimensions qui représente les doigts, le bout des doigts et ici une surface plus lisse qui représente la paume de main. Personnellement c'est un rouleau que j'utilise beaucoup pour les quadriceps. On reste dans les rouleaux, on a le footballeur avec sa brique pour travailler le pied et le solaire. C'est vraiment très agréable de travailler avec ça. On a le quad roller qui permet de travailler. Je l'utilise également pour le dos, beaucoup pour le dos. On peut travailler le quadriceps avec. Avant d'utiliser le quad roller, il faut vraiment d'abord passer par le grid, d'accord. On commence d'abord par celui-ci et on passe après par celui-ci qui est un produit donc un peu plus professionnel. Donc le grid, le footballeur, le quad roller. On a la brique donc pour travailler hop, le solaire. Ensuite au niveau des balles, on a la Tipeee ou la MB1. On a une surface en mousse, c'est vraiment très agréable de travailler avec cette balle. D'ailleurs dans la vidéo qui suit, je pense que je vous présente un exercice pour travailler le fessier, un muscle profond, le piriforme. Ça vous permet de soulager un peu le bas du dos si vous avez des tensions ou alors si vous êtes beaucoup en position assise, c'est vraiment un exercice de mobilité, je pense qu'il va vous plaire. Donc ce sera dans la vidéo suivante. Sinon, donc la Tipeee ou la MB1, c'est vraiment une balle très 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 agréable. On a la petite chaussette qui va avec pour mettre les deux balles ensemble. On a la MB5 qui est un tout petit peu plus grosse, dans le même format, donc en surface en mousse, comme ceci. Au niveau du rouleau, je ne l'ai pas dit, le grid, donc celui-ci fait 33 cm. On a un format un petit peu plus petit, qui fait à peu près ça, qui est beaucoup plus facile à transporter. Ils ont fait un format un petit peu plus grand, 66 cm. 66 pour moi, c'est pas assez grand parce que si c'est un format que l'on peut utiliser dans les automassages et en pilates, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi pour le pilates il faut vraiment un rouleau de 90 cm, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà pour le matériel. Au niveau les petits rouleaux, ils avaient le cold roller qu'ils ne font plus maintenant pour faire de la compression à froid. C'est dommage parce que je trouve que ça aurait été une piste intéressante à explorer. D'ailleurs, si vous utilisez donc la cryothérapie et la compression, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Si vous utilisez ce matériel, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires ci-dessous. Voilà, c'était Fabien G de Roule sur la forme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par la mobilité, si vous voulez améliorer votre mobilité au quotidien ou dans votre sport. Roulez sur la forme, je vous dis bougez mieux, vivez bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.